Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de réseau, c'est parti. Alors, moi, j'ai trouvé une technique pour avoir du réseau gratuit. Du réseau, une connectivité qui dépasse la 4G, qui dépasse le Bluetooth. Moi, ma connexion, c'est ça. C'est la nature. Alors, j'ai déjà fait 2-3 vidéos, balade, forêt, machin. Et donc, là, je vais comparer ça à la connectivité de notre monde d'aujourd'hui. Où, donc effectivement, moi quand j'étais gamin, quand on était en vacances, on avait les grandes vacances, on était dehors, alors pas forcément en forêt, parce que, bon, on avait 5-6 ans, 9-10 ans, mes parents ne me laissaient pas aller en forêt tout seul. Mais je me souviens, pendant les grandes vacances, on était dehors dans le jardin. Facebook, YouTube n'existait pas. Moi, mon premier ordinateur, je l'ai eu, j'avais en 2006, je sais plus quel âge, bref. Et donc, ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, les gamins ne vont plus dans le... On se promène plus en forêt. Il n'y a plus de connectivité avec la nature, l'essence même de la vie. Parce que c'est la nature qui nous a donné vie. Même si parfois la vie, elle est moche, j'en sais quelque chose, j'ai... Je suis là avec une malformation et pourtant bah, j'essaie de me battre. Petit parenthèse de la vie. Mais voilà. Et moi, j'adore, et c'est normal, la nature. Puis regardez, juste. Alors là, on entend au fond les voitures qui font. Voilà. Mais. On n'a pas de klaxon de voiture, on n'a pas de fumée d'usine, on n'a pas d'arrêt de bus à côté, ou quand le bus y repart, on se prend des tonnes de rejets de CO2 dans la gueule. Voilà, vous voyez, on en a quand même entendu un. Bref, mais voilà. Essayez de me faire, par exemple, un gang le dimanche en famille. Rien pour passer la semaine. Enlevez les ordinateurs, les portables de votre vie. Ou dites-vous, prenez un jour le temps de bagarrer. Je dis pas, il y a une chose qu'il faut aussi défendre, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je prends bon, les impôts puisque c'est uniquement la source, mais enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les peu de choses qu'on peut avoir à faire sur l'ordinateur, on a tellement de choses à faire sur l'ordinateur, je veux dire les papiers, bien sûr, ça sera plus magnifique, on devra faire à l'ordinateur. Mais c'est vrai que ça, j'admets que on est dans un monde super connecté, on peut plus s'en défaire. On peut s'en défaire. Mais de là, si moi j'ai pas de compte Gmail, ma chaîne YouTube n'existe pas. Tout le monde a une chaîne YouTube, en parcours du principe, vous avez une adresse mail chez Gmail. Donc voilà, je prends cet exemple. Donc effectivement,
la connexion gratuite, celle qui vous donne une connexion avec vous-même. Madame, vous ne pouvez pas parler à vos copines qui se trouvent à des millions de kilomètres. J'ai des millions, parce que je n'ai pas retrouvé la mienne. Mais voilà, en plus, en haut là, on a un super GPS gratuit. Donc, je vous ramène à la vidéo que j'avais fait sur mes survivalistes sont les astronomes. On a un super GPS gratuit en haut. On a une connexion ici. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Tout ce qu'on a besoin, c'est qu'il veut nous faire vivre. Et donc, c'est ça le plus important au final. Et c'est ça, c'est dans la majorité de ce problème-là que les gens, le jour où il y a une rupture de la normalité, la plupart des gens ne vont pas réussir justement à en fait, ils n'auront même pas conscience qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport au fait qu'ils sont toujours menés dans les trucs qu'il ne faut pas. Et donc, voilà, je me répète peut-être un peu, mais moi, quand je vois ce monde, c'est pour ça aussi que je suis un peu devenu survivaliste, parce que au final, je me dis que c'est pas pour rien que si je suis arrivé là, parce que j'ai pris aussi conscience. Et c'est ça la prochaine vidéo qu'on va faire, la prise de conscience. Ciao.